Alors dans cette vidéo, on va revoir un petit peu tout ce qu'on avait vu en statistique jusqu'à maintenant, enfin tout ce qui concerne les indicateurs qu'on avait pu étudier dans les vidéos précédentes, et en particulier on va essayer de, de comprendre pourquoi parfois il est plus intéressant euh, d'utiliser la variance corrigée que la variance quand on a un échantillon, pourquoi est-ce que ça donne une meilleure estimation dans certains cas. Voilà. Alors on va commencer par prendre une population hein, comme d'habitude, donc on va dire que cette population elle est de taille grand N, et puis on va prendre un échantillon qui va être de taille petite n. donc ici dans la population il y a n grand n. d'onnées et dans l'échantillon il y a petite n. d'onnées. alors quels étaient les indicateurs dont on avait parlé dans les, dans les, dans les vidéos précédentes? mais il y avait d'abord la moyenne. la moyenne qui était la moyenne arithmétique. Hein. alors dans le cas d'une population est-ce que cette moyenne va, va s'appeler un paramètre ou bien une statistique? Alors, ce qu'on avait vu, c'était que dans, quand on calculait un indicateur sur toute la population, on appelait ça un paramètre. Donc, ça, je vais l'écrire. Quand on parle, quand on calcule un indicateur, n'importe lequel, sur toute la population, on appelle ça un paramètre. Voilà. Et puis, euh, quand on, on s'occupe, quand on calcule ce, ce même indicateur sur un échantillon, eh bien, on appelle ça une statistique. Statistique. Alors c'est une distinction importante, hein, parce que ce, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut souvent pas calculer la moyenne sur la population entière, donc on la calcule sur un échantillon. Et tout le jeu, ça va être justement de se servir de cette statistique pour évaluer le paramètre, hein, pour donner une estimation du paramètre. Alors bon, la moyenne, comment est-ce qu'on l'avait introduite dans le cas d'une population On avait dit que c'était, déjà on l'appelle mu. Hein. On la dénote par ce, cette lettre grecque mu. Et puis, on avait dit que, que pour la calculer, il fallait faire la somme de toutes les données. Donc, ça, je vais l'écrire comme ça, avec ce symbole-là. Donc, c'est la somme des données pour i qui va de 1 jusqu'à N, donc c'est i. Donc, ça, ça veut dire que je fais la première donnée plus la deuxième donnée plus la troisième donnée et ainsi de suite jusqu'à la dernière don donnée. Alors, la première, on l'appelle x1, la deuxième x2, la troisième x3 et ainsi de suite jusqu'à la dernière qui s'appellera x grand N. Et puis ensuite, pour avoir effectivement la moyenne, il fallait diviser cette somme par le nombre de données qui, du coup, est grand N. Donc ça, c'était le paramètre moyenne sur la population. Et comment est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne sur l'échantillon, donc une sta la statistique dans ce cas-là Eh bien, on fait quelque chose de vraiment tout à fait analogue. On va faire là aussi la somme de toutes les données, div divisée par le nombre de données. Donc, Par contre, la différence, c'est qu'ici, on va l'appeler x bar, hein, ça c'est la notation traditionnelle. Et du coup, on va faire la somme pour i qui va de 1 jusqu'à petit n, puisque là il y a petit n données, dxi i. Voilà. Donc ces xi, ce sont les données de l'échantillon, hein, qu'on a appelé aussi x1, x2, x3, jusqu'à x petit n. Et puis ensuite, il va falloir diviser par le nombre de données qui ici est petit n, puisque c'est la taille de notre échantillon. Donc il y a petit n données. Donc là dans les deux cas, hein, ce qu'on fait, c'est faire la somme de toutes les données et diviser par le nombre des données, hein, que ce soit pour la population ou pour l'échantillon. La différence c'est qu'ici il y aura beaucoup moins de données. Hein. Alors il y avait aussi un autre indicateur important qu'on avait, qu avait étudié qui donnait une idée de la dispersion des données autour de cette moyenne qui est une valeur centrale un peu. Alors cet indicateur c'était ce qu'on avait appelé la variance variance. Alors quand on calcule cette variance sur la population, c'est un paramètre et quand on la calcule sur un échantillon, c'est une statistique hein, exactement comme tout à l'heure pour la moyenne. Alors ce qu'on avait vu c'était que cette variance, eh bien, on l'a calcul... noté pour la population, quand c'était un paramètre, on la note sigma au carré. Donc c'est sigma en minuscule, hein, cette lettre grecque minuscule, ça c'est sigma majuscule et ça c'est sigma minuscule. Donc sigma au carré. Et puis pour la calculer, en fait, ce qu'on faisait, c'était en quelque sorte, la... on calculait la moyenne des... des carrés, des distances à la moyenne, hein, des écarts à la moyenne. Donc en fait, on calculait une somme sur toute la population, donc pour i qui va de 1 jusqu'à N. Et on, alors on, faisait, on mesurait d'abord la distance de la donnée par rapport à la moyenne, donc c'était x i moins u, qu'on élevait au carré. Et ensuite, on additionnait tous ces termes-là, et finalement, on divisait tout ça par le, le nombre de données, c'est-à-dire ici grand n. Alors évidemment, pour calculer la variance à partir de cette formule, il faut d'abord avoir calculé la moyenne, et ensuite on peut calculer cette, cette variance. Bon, on verra qu'il y a d'autres formules qui permettent de calculer la variance, mais celle-ci est probablement la plus intuitive parce qu'elle fait apparaître les écarts par rapport à la moyenne. Alors maintenant, on va en venir à la partie qui est un, qui est un peu plus le sujet de la vidéo, c'est qu'on va essayer de calculer maintenant la variance de l'échantillon. Alors Là, on avait déjà vu qu'il y avait plusieurs façons de, de calculer cette variance. La première, c'est de faire exactement le même type de calcul que ce qu'on a fait pour la population, pour la variance de la population. Et dans ce cas-là, on, on obtient ce qu'on qu appelle une, la variance, tout simplement, et on la note comme ça, avec un S au carré. Et puis pour calculer cette variance, on fait le même type de calcul, mais en procédant uniquement, en ce, en procédant uniquement sur l'échantillon. Hein. Donc en fait, on va calculer là aussi le, la moyenne du carré des distances par rapport à la moyenne de l'échantillon. Hein. Donc on va faire une somme sur toutes les données, là, qui vont de i égale 1 jusqu'à n. Et puis, alors, je vais calculer. Pour chaque donnée, je vais prendre son écart par rapport à la moyenne. Donc ça c'est xi moins x bar, hein, puisque c'est la moyenne de l'échantillon ici. Et j'élève ça au carré pour avoir le carré de cette distance. Et ensuite, j'additionne tous ces termes et je divise par le nombre de termes de l'échantillon, par la taille de l'échantillon qui est petit n. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle la variance de l'échantillon. Mais on avait vu là, dans, dans la vidéo précédente que euh, certaines fois cette variance n'était pas un très bon est estimateur de, de la variance de la population. Et on avait introduit une, une variance corrigée, qu'on avait appelée variance corrigée, qui était en fait un estimateur un peu meilleur dans certains cas que cette variance-ci. Alors, on avait vu que cette variance corrigée, on l'a notée comme ça, S 2 corps, corrigée, et puis on l'a calculée à peu près de la même manière, donc en faisant, en calculant aussi le carré des écarts par rapport à la moyenne, la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne, donc c'est la somme de I égale 1 jusqu'à N de xi moins x bar au carré. Mais pour cette variance corrigée, en fait, on ne va pas diviser par n, mais on va diviser par n moins 1. Donc la taille de l'échantillon diminuée de 1. Alors déjà ce qu'on peut remarquer sur ces deux formules qui sont là, c'est que dans la deuxième, dans la, la variance corrigée qui est ici, alors je vais le noter ici, ça c'est la variance corrigée. Et ce qu'on peut voir, c'est que ici on a divisé par n-1 qui est plus petit que n. Donc on divise par quelque chose qui est ici plus petit. Hein. C'est un dénominateur qui est plus petit. Donc ça veut dire que le résultat ici sera plus grand, puisque quand on divise par quelque chose de plus petit, on, on obtient quelque chose de plus grand. Hein. Donc cette variance corrigée ici, elle est plus grande. Elle est plus grande. Et la variance, corri la variance non corrigée qui est ici, la variance normale, elle est plus petite. Ça c'est parce que, hein, je répète, c'est parce que les, les numérateurs sont les mêmes, et euh, là on divise par quelque chose de plus grand qu'ici, qu dans le cas de la variance corrigée. Du coup, forcément, cette variance non corrigée est plus petite que la variance corrigée. Alors ce n'est pas toujours très clair hein, dans les études statistiques et même dans les calculatrices de savoir de quelle, de quelle variance on parle hein, dans un échantillon. Par exemple, il y a certaines calculatrices qui vont euh, donner directement la variance corrigée alors que d'autres donneront la variance non corrigée. Voilà. Donc euh, toi, dans, quand tu parles de la variance, c'est pas mal. Hein, c'est une bonne habitude de préciser de quelle variance tu parles. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre intuitivement un petit peu pourquoi cette variance corrigée, qui est plus grande, est parfois bien utile, est parfois un meilleur estimateur de, de la variance sur la population, de la variance réelle sur la population. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un exemple de distribution sur une population, donc je vais tracer une droite numérique, et puis je vais placer sur cette droite numérique toutes les observations qu'on a faites sur la population. Donc je vais placer par exemple un premier point ici, je vais avoir une donnée là, une donnée là, une donnée là. Bon, je peux faire ça un peu comme je veux. Hein. Donc euh, voilà, je vais en rajouter ici, ici, ici. Euh, je vais avoir peut-être quatre points là, comme ça. Ensuite, je vais en mettre un là, un là et un là. Donc voilà, ça c'est la population, toutes les données que j'ai observées sur la population entière. Hein. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 données. Donc, ici, la, la taille de notre population, c'est N. On l'appelle toujours grand N. C'est N et c'est 14. Il y a 14 données, donc on a grand N égale 14. Alors, euh, ce que je peux faire déjà, c'est euh, essayer de placer un petit peu la moyenne. La moyenne, c'est une mesure de position donc, qui va donner une idée du milieu des données, une valeur un peu centrale des données. Donc, là, je ne peux évidemment pas la calculer parce que je n'ai pas de valeur numérique, mais je peux la placer à peu près. Je veux dire que ça va être, en regardant la distribution qui est là, je vais pouvoir la placer à peu près là, cette moyenne. Donc, ici, on va dire que c'est la moyenne réelle sur la population. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais prendre un échantillon. Je vais prendre là, pour l'exemple, un échantillon de taille petit n égale 3. Donc, je pourrais prendre une autre taille d'échantillon, ce serait exactement la même chose. Mais là, je vais la prendre de taille n égale 3. Alors dans certains cas, je vais, cet échantillon va être bien, c'est-à-dire que va, sa moyenne va être proche de la moyenne réelle sur la population. Par exemple, si je prends ce point-là, ce point-là et ce point-là, par exemple, je vais a priori avoir une moyenne qui sera proche de, de la moyenne mu réelle, de la moyenne réelle mu sur la population. Je vais du coup avoir une moyenne de l'échantillon x bar qui sera là. Donc, dans ce cas-là, l'échantillon, la, 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 la moyenne sur l'échantillon est un bon estimateur de la moyenne réelle sur la population. Mais ça, c'est un cas vraiment particulier. Il pourrait y avoir des tas d'autres cas. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Euh, donc, il pourrait très bien, on pourrait très bien avoir prélevé un échantillon composé, par exemple, de ces trois points-là. Voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, la situation est complètement différente, puisque la moyenne, elle va être quelque part par là hein. la moyenne d'un échantillon est toujours dans l'échantillon c'est important à comprendre ici la moyenne va donc être dans l'échantillon x bar va être quelque part par là et, et par contre la moyenne réelle de la population est complètement à l'extérieur dans, dans ce cas là la moyenne réelle sur la population la moyenne mu, elle est complètement en dehors de, no de notre échantillon hein. Donc c'est ça l'idée qui est importante à retenir, à bien comprendre, c'est que quand on prend un échantillon, la moyenne de l'échantillon, elle est toujours à l'intérieur de cet échantillon, alors que la moyenne réelle sur la population, elle peut très bien être à l'extérieur de l'échantillon. Alors on va se concentrer sur ce cas, le cas de cet échantillon qui est ici qui fait un bon exemple. Euh, là, euh, si, on va si on calcule la variance de cet échantillon, donc on va, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer les écarts par rapport à la moyenne, les élever au carré, et puis ensuite diviser par 3, hein, qui sera le nombre de données. Et en fait, ici, dans ce cas-là, on va avoir cette distance-là au carré, plus cette distance-là au carré, puis on va avoir ces trois distances qui seront faibles, euh, puisque là, l'échantillon il est très serré autour de sa moyenne, de sa moyenne x bar donc finalement, on va avoir une variance ici qui va être petite, beaucoup plus petite en tout cas. Enfin, elle ne sera peut-être pas petite, ça dépend des, des, des mesures ici, mais en tout cas, elle sera beaucoup plus petite que la variance réelle de la population. Puisque là, on voit bien qu'il y, y a beaucoup de points qui sont beaucoup plus éloignés de la moyenne réelle de la population que quand on se cantonne à cet échantillon-là ici. Donc finalement, dans le cas de cet échantillon, la, la, la variance de l'échantillon sous-estime très nettement la variance réelle de la population. Hein. Alors évidemment, je répète, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend complètement de l'échantillon. Euh, la, parfois, parfois, la moyenne réelle de la population sera parfois contenue dans l'échantillon, donc ça sera un peu mieux. Mais euh, globalement, quand on prend un échantillon, on a quand même plus de chances d'avoir une, une variance comme ça qui est sous-estimée par rapport à la variance réelle de la population. Hein. Donc ça, c'est important à retenir. En général, en théorie en tout cas, celle-là... Il y a plus de chances qu'elle soit sous-estimée par rapport à la variance réelle de la population. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, quand on, au lieu de diviser par n, on divise par n-1, et eh bien, on a une, var une variance qui est un peu plus grande. Et c'est pour ça que cette variance corrigée est en général un meilleur estimateur de euh, la variance euh, normale. Voilà. Alors, je vais faire une petite remarque avant de terminer. Euh, si on regarde la relation entre la variance et la variance corrigée, je vais le faire euh, ici. La variance. Corrigé, celle-ci, S2 corrigé, c'est n divisé par n moins 1 multiplié par la variance normale. En fait, si je prends la variance normale et que je multiplie par n, ben, j'ai le dénominateur qui s'en va, qui se simplifie. Et ensuite, si je divise par n moins 1, je retrouve exactement la variance corrigée. Alors ça c'est intéressant parce que ça montre bien que euh, les deux variances ne sont pas les mêmes, mais que plus n est grand, euh, plus elles sont proches. Hein. Donc quand on, a, quand on a un échantillon de taille assez élevé, finalement ces deux variances vont être vraiment très proches, donc la distinction ne sera plus vraiment très importante. Enfin bon, on va s'arrêter là. Euh, je vais essayer, on, on essaiera dans une prochaine vidéo, de regarder un programme pour comprendre par l'expérience la différence entre ces deux, entre ces deux variances.